Agnes Wamao. Oh, my tongue, one and then I know. Agnes Wamao. No matter what comes my way, I must make a move. Agnès, je suis là. Agnès? Hein, Guilo? Papa? Papa? T'es où? Agui? Agnès? Aïe. Aurait-il bien pu passer? Agui? Hey. Il y a quelqu'un? Marche pas. C'est quoi ce truc? Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'étincelle. Ah ah. C'est quoi ça? Hein? Madame, bonjour. Je veux réparer mon DVD. Tu veux réparer ton DVD? Quel est le problème de ton DVD? Je ne sais pas. C'est toi la technicienne. Où sont les vis? Où sont les vis? Tu ne vois pas les vis? Ok. J'ai déjà vu. Où est mon tournevis? Tu amuses un tour. Vraiment? Ton truc, si... Tiens, tiens, ouvre ta main. Ne perds pas ça. Ne perds pas ça. J'espère que tu vas bien réparer ça. Non, non. J'espère. Non, non. Chai. C'est la lentille qui est gâtée. La lentille. Alors, combien coûte une lentille? Disons gros 4 000, 3 500. Mais donne-moi 3 000. J'irai au marché acheter. 3 000. Et le DVD, je l'achète à combien? Hey! C'est à moi que tu demandes? C'est à moi que tu poses la question? Je me disais bien qu'avec ton air de prématuré, là, tu allais chercher les problèmes. Tu sais quoi? Si tu veux, ne paye même plus. Je ne veux même plus de ton argent. Prends ton DVD et pars d'ici. Calme-toi, non? Calme-toi. Hein? Mais la somme est trop grosse, non? Hein? Ne te fâche pas comme ça. Tu en demandes aussi trop. Mais toi aussi. Si la somme est trop grosse, prends donc ton DVD. Prends ton DVD et pars si la somme est trop grosse. Mais toi aussi, tu peux accepter 2 500 naira, non? Hein? S'il te plaît. C'est ce que tu devais dire depuis. Que c'est 2 500 naira que tu as, au lieu de tourner autour du pot. Hein? Ce n'était pas nécessaire. Bon, donne-moi l'argent que j'aille acheter sur le marché rapidement. Quand est-ce que ça sera prêt? Tu vas finir quand? Quand j'aurai fini, disons, en gros, dans 4 heures de temps, c'est-à-dire à 14 heures. 14 heures? Oui, 14 heures. J'espère que ça sera prêt à l'heure-là. Il ne faut pas que l'heure-là arrive et que tu n'as pas encore fini. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur, mon frère. Je suis une technicienne, une vraie technicienne, je t'assure. Quand j'aurai fini le travail, c'est toi qui vas m'ajouter de l'argent, tu comprends? Ok, sans souci. Tu sais, l'argent n'est pas un problème, hein? Tu me comprends? Donc l'argent n'est pas un problème, mais tu criais. 3 000 naira, 3 000 naira, 3 000 naira. N'importe quoi. Donne-moi 1 500. Quand tu vas revenir chercher ton truc, tu vas me donner le reste d'argent.
S'il te plaît, il faut finir de bien réparer ça, hein. Il ne faut pas que je revienne ici et que tu n'as rien fait, hein. J'aurais fini. Donne-moi. Donne-moi l'argent, je pars rapidement acheter ton truc. Je pars maintenant. Je pars maintenant. Repars ça bien haut. Je vais bien réparer, n'aie pas peur. Reviens après, viens à 14h, ne viens pas en retard. Prends-le vite. Prends-le. Pars avec. Ok, je vais laisser ça. Repars ça bien, s'il te plaît. Je vais bien réparer, je vais au marché maintenant. Angie. Je te laisse, ce truc est trop bon. C'est un gâteau. On appelle ça cake. Cake. Non, pas coke. Cake. Cake. Oui, cake. Aggie. Hein? Tu ne vas pas dire que je t'ai rien gardé, n'est-ce pas? Apprécie. Alors dis-moi, comment est la ville? Ah, ma sœur, la ville est superbe. Je t'assure, c'est sucré. Ah, doucement. Comment je vais manger doucement, doucement quand tu me donnes ce genre de cake? Cake. Ma Alors, vas-y, raconte. Comment va la famille? Ma famille... Tu ne m'as jamais dit ce que tu faisais en ville. Tu vois? Je veux savoir. Ma famille va bien. Ah, je suis une femme, non? Une femme doit survivre, non? Ah, tu as oublié? Une femme doit survivre. Une femme doit survivre. Mais c'est quel genre de survie, ça? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Aggie. Sashima! Sashima, tu fais quoi là-bas? Hein? Cet enfant, tu fais quoi là-bas? Où est ta fille, là? Tout le temps, Sashima, Sashima, Sashima. Ah, tu exagères. Tu n'as pas entendu les bruits qu'elle vient de faire? Chaque jour, quand je rentre de la boutique, cette fille me cherche des problèmes. Elle ne me laisse pas me reposer. Hein? C'est quoi cette... Ah! Attends-moi là-bas. Calme-toi. Attends-moi là-bas. Tu vas me dire ce que tu fais là-bas. C'est même quoi ça? C'est quoi ça? Sashima, Sashima. Hey. Donc, quand tu as vérifié là, ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu es venu avec la voiture? Si je suis venu avec la voiture? Tu me demandes? Tu m'as acheté une voiture? Je ne suis pas venu avec la voiture. Pourquoi tu me demandes? Tu vois, c'est la première question que tu devais d'abord poser avant de commencer à crier. Je t'ai demandé si tu as une voiture pour savoir si tu as un CD, pour qu'on teste dans ta voiture si ça va marcher. Parce que c'est comme si mon CD est déjà gâté et ça ne peut pas marcher dans ton DVD. Prends ça et tu vas tester avec ton CD, ça va marcher. Je t'ai dit, je ne suis pas venu avec la voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ferais mieux d'aller chez toi prendre un CD pour qu'on teste ce DVD. Parce que j'ai bien réparé ce DVD. Je le sais, je l'ai bien réparé. Alors va chercher un CD chez toi pour qu'on teste. Parce que moi, je n'ai pas d'argent pour acheter un CD avec le peu d'argent que tu m'as donné. C'est moi qui ai cherché les problèmes. Je vais supporter. Ha! Hey! Hey! Ha! Là où ce gars est allé chercher ce CD, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je répare un truc, ça ne marche pas. Moi, je vais partir d'ici. Je ne peux pas rester ici. Emma, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui arrive à cette fille. Tout l'argent que je lui donne, elle le rejette. Elle m'a même dit que Dieu a déjà tout payé. Pourquoi? Je ne sais pas, elle a juste rejeté mon argent comme si je ne... Comme si je... Non, comme si... Elle a trouvé un homme mieux et qui ait assez de courage pour s'exprimer. Mec, si c'est le cas, franchement, t'as perdu, mec. Moi, perdre? Comment? Tu as perdu, c'est tout. T'étais juste un idiot tout ce temps, hein? Comment peux-tu te rabaisser à parler à une simple technicienne du village? Une fille de deuxième main que tout le monde peut avoir aussi facilement. T'es pas aussi stupide avec tous les diplômes que t'as. Tu as décidé que la seule carrière que tu veux dans la vie, c'est de briser des plantains et du haricot. Du grand n'importe quoi. T'as perdu, c'est tout. Hogan, ne m'insulte pas. Ne m'énerve surtout pas. Ah, ah. Pourquoi est-ce que tu es obligé de m'insulter parce que je te parle de mes problèmes? Écoute, mon frère, s'il y avait quelque chose de plus grand qu'une insulte, je te l'aurais dit. Parce qu'il semble que c'est la seule chose que tu arrives à comprendre.
Voyons, mec. T'avais la chance avec cette fille. Tu avais ta chance. Maintenant, tu l'as perdue parce que tu n'es rien d'autre qu'un... Oh, t'es simplement trop bête. Un fou. Un fou. Un Emma, fou. Emma, rentre chez toi. Olga, rentre chez toi. Bien sûr que je m'en vais chez moi. Oh. Je ne me suis pas débrouillé pour me marier. J'ai rassemblé de l'argent et j'ai épargné mon argent. J'ai vu la femme que j'aime, suis allé la voir et j'ai dit « Veux-tu m'épouser ?» Elle a dit « Oui » et nous nous sommes mariés. Si tu sais ce qui est bien pour toi, va donc supplier ta mère de ramener cette belle femme que tu as rejetée, soi-disant qu'elle est plus vieille que toi. Regarde-toi, t'as pas d'argent, c'est toi. C'est tout ce que tu sais faire. Quelqu'un t'invite pour parler de quelque chose de sérieux, tu te mets à dire du n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je continue à garder ce gars comme ami. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Qu'est-ce qui se passe? Aucun homme, né d'une femme, n'éloignera cette fille de moi. Je dis bien personne. Je ne laisserai pas cela arriver. N'importe quoi. Ah, toi, ça, ton atelier que je pars. Je fais mon DVD. Tu veux prendre ton DVD? Ouais. Va à mon atelier, c'est prêt. J'ai déjà réparé, ça marche bien. Je dis, hein. Tu veux dire quoi? Ne te fâche pas, je suis pressée. J'ai une grosse urgence à gérer à la maison. Allons là-bas, je dois le tester. Allons-y là-bas, je dois le tester. Ah ah, c'est quoi ton problème? Tu penses que je peux te mentir? Je suis un enfant. Tu ne sais pas que j'ai reçu la communion à l'église? C'est quoi ton problème? Tu es normal. Je t'ai dit que j'ai déjà réparé. Okay. Ça marche bien, va chercher. Tu as reçu la sainte communion. Uh-huh. Allons-y là-bas, je dois le tester. Je ne peux pas te payer si je ne l'ai pas encore testé. Je ne te comprends pas. C'est quoi ton problème, hein? J'ai bien dit que ta tête de prématuré m'apportera des problèmes. Voilà ça qui se réalise. Maintenant, va à mon atelier. Au coin de mon atelier, tu vas voir où j'ai gardé ça. Va prendre ton appareil. Le docteur a déjà réparé ton DVD. Donne-moi mon argent. Tu ne sais pas ce que je dis. Allons là-bas, je récupère mon DVD. Je dois tester ça. Tu dois tester. Va alors tester. Allons-y. Où est-ce que tu vas? Oh gars, viens. Viens. Viens ici. Ne m'énerve pas. Donne mon argent. Mais c'est quel genre de compte? Tu ne connais pas Agnès. Tu ne sais pas qu'Agnès est un problème. Hein? Tu ne me connais pas. Donne-moi mon argent. Tu es malade? Donne-moi mon argent maintenant. Rien. Attends. Je vais me fâcher. Avec ta tête prématurée, je vais me fâcher. N'importe quoi. Donne-moi. Écoute, hein, c'est parce que tu es une femme, hein. Tu comprends? C'est parce que tu es une femme, sinon... N'importe quoi. Non, mais tu parles à qui comme ça? N'importe quoi. Regarde sa tête. Je ne bagarre pas avec les femmes. Idiot. Sinon... Avec ses chaussures comme la prescription médicale. Et où? N'importe quoi. Si tu ne me donnais pas mon argent, tu allais voir que je suis folle. Je suis folle. C'est comme ça que je suis folle. Je ne comprends rien. Demande partout. Je ne comprends rien. Personne ne peut me parler. Personne ne peut m'intimider. Personne. Je dis bien personne. Tu ne peux rien me faire. Il veut m'intimider. Et où? N'importe quoi. Ah. Bonjour les gars. N'est-ce pas cet idiot, cet imbécile. Il veut m'intimider, moi. Un idiot, un imbécile. N'importe quoi. Oh mon gars. Hey. Cette carte est trop belle. Je sais. Emma, je suis content pour toi. Je suis très content pour toi. C'est pour ça que je t'ai apporté cette bière pour que tu la boives. Une bière ne suffit pas, hein? Tu crois que c'est facile de se marier? Ce n'est pas facile, hein? Tu me donnes 2 bouteilles. J'ai compris. C'est mon ami qui a conçu ça. Le gars a fait un bon boulot, mec. Hey! La carte est trop belle. C'est clair. Mince! Mec! C'est clair. Et il y a autre chose. Je voudrais que tu sois mon témoin. Moi? Oui. Mais je n'ai jamais été témoin de toute ma vie. Je sais. Je ne l'ai jamais fait. Je ne connais pas ces choses. Je sais. T'es sûr que tu sais? Je sais. La seule raison pour laquelle je voudrais que tu sois mon témoin, c'est pour en quelque sorte arranger ta vie. Tu sais, quand les gens te verront en costard ce jour, ils peuvent venir à penser que tu es responsable. Mais bon, t'es mon pote. Pourquoi pas? Tu sais, mec, fais attention à ce que tu dis, hein. Oh, s'il te plaît, arrête un peu. Arranger ma vie. En tant que qui?
Ça va, c'est bon. Ce jour-là, je viendrai t'aider en tant qu'ami. Ce n'est pas pour autre chose. Ok, c'est bon. Dis-moi, quand deviendras-tu un homme? Je veux dire, quand vas-tu me montrer ta copine? J'ai des plans pour ce mariage. Je vais faire un truc, mais tu vois, après ton mariage, je vais te montrer quelque chose. Tu vois un peu? J'ai des plans qui sont, tu vois. Donc, tu me connais, non? Ça veut dire tu me connais. Que tu n'as pas de copine maintenant, n'est-ce pas? Mais non, je t'ai dit après ton mariage, j'essaie de régler deux choses, hein. Relax. Ok. Sois pas pressé. Hein? Sois surtout pas pressé. Pas de problème. Ok, mec, bois ta bière, je vais te laisser. J'ai encore plein de personnes à qui je dois remettre des cartes. Sans souci. Ma femme et moi, on doit aller voir les hommes riches. Ma femme, ta femme et moi. Hey! Now wow, mon pote. Donc, désormais qu'on va te parler, tu vas dire ma femme. Dès qu'on te parle, ma femme. Bien sûr, désormais, toi et moi, nous ne sommes plus au même niveau. Mais ça va, tu es mon ami, on restera toujours amis. Donc, je dois m'en aller maintenant. Hein? Ok, donc maintenant, quand tu vas me parler, ça sera désormais ma femme et moi. Ma femme et moi. Hein? C'est comme ça que la vie des gens change. Ces gars me dépassent, hein? Ils disent seulement ma femme. T'en fais pas, je me marie bientôt. Je vais bientôt épouser Agnès. Tu comprends, je vais bientôt épouser Agnès. J'attends ma deuxième bière, hein? Cette fille me prend pour un idiot. Ok. Elle savait que je venais chez elle. Elle a pris la fille, n'est-ce pas? Hey. Non. Je vais m'asseoir ici et je vais l'attendre. Je t'attends ici. Quand elle rentrera, elle va me trouver ici. Jay! Cette fille, au lieu qu'elle me dise qu'elle ne sait pas réparer ce truc, elle ne me dit pas. Hey. Regardez-la. Jay! Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire. Mais, Oga, ta voisine qui repart les DVD là, je ne sais pas où elle se trouve. Oga, bonjour. Ouais. La fille là est venue tout le matin, elle a ouvert son télé pendant un moment, elle est restée. Ensuite, elle est sortie, je ne sais pas où elle se trouve actuellement. Oh, cette fille joue avec le feu. Elle joue avec le feu. Je sais quoi faire. Je vais revenir. Je laisse ce truc ici. Je vais revenir la trouver. On dirait que cette antenne ne fonctionne pas. Hein? Ok. L'antenne fonctionne. Hey, le gouvernement. Le gouvernement du Kenya. Agui. Hey! Emma. Agui. Emma. Agui, tu es prête à tout moment. Oui, je dois savoir ce qui se passe au gouvernement. On dit que le gouvernement du Kenya a des problèmes. T'écoutes pas les nouvelles de notre pays, mais c'est l'actualité du Kenya qui t'intéresse. Ah, il y a des Igbo là-bas, donc je dois bien écouter. Très bien. Je suis venu te rendre visite. Ah. Hey. Emma, tu es venu me rendre visite? Depuis quand est-ce que tu me rends visite? Non, il n'y a pas de problème. Comment va ton mec? Mon gars. Osita. Oh! Osita n'est pas mon gars. Osita, c'est mon frère. Mon frère. Mais vous n'êtes pas du tout parenté, tu sais. Hein? On n'est pas parenté, mais on est parenté dans le Seigneur. C'est mon frère en Christ. Mon frère dans le Seigneur. Eh bien, je ne parle pas de ce qui ne concerne pas. Je vais me marier. Et ça, c'est ma carte d'invitation pour toi. Je voudrais que tu viennes à mon mariage. Hey! Emma va se marier. Et Emma, tu as imprimé les invitations? Eh oui. Je fais ce que je peux. Et Emma, je suis contente pour toi. Merci. Je te voyais comme ça alors que...
Eya, hey, mais félicitations. Rien du tout. Ce n'est non, rien. Je disais juste que. Tu sais, je fais ce qu'il faut. C'est je tout. Suis contente pour toi. J'essaie félicitations. De faire ce qui est correct. Tu me comprends, je ne vais pas faire comme Ozzy. Ozzy. Mon frère. Aussi t'as mon frère. Mais aussi t'as va bientôt se marier. Sa mère va l'aider à trouver quelqu'un. Ok. Ok. Ne t'en fais pas, je vais venir. Le mariage, c'est quel jour encore? Ce sera le 10 septembre. Ok. Donc, je voudrais que tu viennes, c'est pour ça que je suis venue personnellement te donner ça. Ok, le 10 septembre. Ne t'en fais pas, je serai là. C'est écrit ici que ça commence à 12 heures. Exactement. Oui. Ne t'en fais pas, Sochima et moi, on viendra. Donc, il y aura du riz et de l'avion. Bien sûr, il y aura tout. Hey! Il y aura tout. Emma, Emma! Emma! Je serai là, je serai là. Ne t'en fais pas. Mais Ozita n'est pas ton frère, hein? Hey, ok. Je suis contente pour toi. Merci. Félicitations. Oui. À plus tard. Emma est sérieuse jusqu'à imprimer les invitations. Donc quelqu'un a accepté de l'épouser. Hey, Nawao. Ozita doit aussi se marier. Voilà son ami qui se marie. Lui, il est là à se balader, à marcher partout. Non, Vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Ceci est trop beau. S'il te plaît, donne-moi ceci. Rends-moi mon habit. Regarde-moi sa bouche. Tu rêves ou quoi? Tu n'as pas vu un autre habit à prendre. C'est le plus beau, ma dernière valise que tu veux prendre. Stella? Oui, ma sœur. Ton petit ami s'occupe très bien de toi. Il s'occupe bien de toi. Oui, il prend vraiment soin de moi. Je suis ravie de le connaître. Tu es vraiment heureuse. Vraiment, ma sœur. Dis-moi, la date c'est quand? C'est pour quand? La date de quoi? Mais le mariage. Moi, Stella, me marier. Ma sœur parle d'autre chose, pardon. Stella, attends. Tu veux dire qu'après tout ce que ton mec t'a acheté, tout cet argent qu'il a dépensé, tu ne vas pas l'épouser? Agnès, je t'ai dit que je ne me marierai pas. Tout homme qui dépense sur moi et met dans sa tête qu'il pourrait épouser Stella. Il souffle le doigt dans l'œil. Ça n'arrivera pas. Stella. Oui. Attends, tu es en train de me dire que... Dès que tu auras fini avec cet homme, tu iras avec un autre. Stella, tu es méchante. Tu es méchante. Oh, tant mieux pour toi, Agnès. Je t'ai dit de te remarier. Remarie-toi. Tu as besoin d'un homme dans ta vie pour prendre soin de ta fille et de toi. Oui. Je n'ai pas encore vu un homme qui me plaît. Oui. Aucun homme n'est comme mon mari. Tu sais que mon mari était très beau. Tu le sais, mon feu mari était très beau. Je n'ai pas encore vu un homme comme lui. Alors ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je ne vais pas me remarier, non. Agnès. Je sais que c'est difficile d'oublier. Mais tu connais très bien ce dicton qui dit « la beauté est relative ». Donne de l'espace à ton cœur. Oui, tu verras un homme que tu aimes. Quelqu'un qui entrera dans ta vie et qui la transformera. Stella. C'est toi qui oses me conseiller. Tu ne te conseilles pas toi-même, mais tu viens me conseiller. Regardez qui me conseille. Quelqu'un qui refuse de se marier me demande d'aller me marier. Tu penses que j'écoute les conseils de tout le monde? Je t'ai blâmé. Je ne te blâme pas. Tu es là à perdre mon temps. Donne-moi. Viens prendre, non? C'est mieux que je m'occupe de mes habits. C'est mieux. S'il te plaît, donne-moi alors. Tu ne viens pas arracher. Donne-moi alors. Nawao. Agnès. C'est encore quel genre de problème ça? Agnès, je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Tu ne te maries pas. Tu ne te maries pas. Regarde sa sale bouche. Oh, si t'as dit ma... Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Oh, si t'as dit ma...
Ce garçon n'est-il pas là? Hey, il n'est pas là. Hey. Oh, c'est Adim Mao. Ha. Où est-il allé? Oh, c'est Adim Mao. Il n'y a personne ici. Où est-il? Où est-il allé? Ma mamie. Oh. Comment tu vas? Je vais bien. Tu ne m'as même pas dit que tu venais. Devrais-je écrire une lettre formelle avant d'arriver chez mon fils? Si c'est comme ça, je m'en vais. Maman, ah, tu t'énerves trop vite. Je ne t'ai pas demandé de partir. Hein? Bienvenue. Merci. Hey. Je viens juste de rentrer du marché. Et qu'est-ce que tu as acheté? C'est le reste de plantain. Hey. Je viens juste de rentrer du marché. Aux États-Unis. Oui, maman. Donc, tu fais toujours tes histoires de plantain et de haricots? Ah, maman. Hein? Est-ce que j'ai autre chose? Pas du tout. Je les vends toujours. T'en fais pas, allons à l'intérieur pour papoter. Hey. Pour que tu te reposes un peu et je te fais un truc à manger. Puis, on va papoter. Je sais que tu as tellement de choses à me dire. Donc... Je pensais que tu as arrêté ce business. Je n'aime pas ça. Maman, avec le temps, je vais arrêter. C'est le moment. Hein? Hein? Je remercie Dieu pour moi. Oh. Je dois vraiment me battre en attendant. Hein? Les choses ne sont pas faciles. Très bientôt, les choses vont changer. Hein? Amen. Amen. Entre à l'intérieur. Si tu le dis. Voilà. J'aime quand tu comprends. Ça va aller. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Arrête de pleurer. Hein? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Osita. Ma. Arrête de pleurer. Osita, dis-moi. Ma. Après t'avoir envoyé à l'université, le seul boulot que tu as trouvé, c'est de vendre du haricot et des plantains. Je n'apprécie du tout pas ça. Je suis vraiment déçue. Maman, pourquoi parles-tu toujours ainsi de mon business de haricots de plantains? Hein? Je fais de mon mieux. Ce n'est pas facile. Je fais de mon mieux. Mais tu m'as dit que tu allais à Lagos pour voir au Kéké, qui allait te trouver un poste. Ne mentionne pas cet idiot. Peux-tu imaginer le seul boulot qu'il a pu me trouver? C'est un poste de gardien. Moi? Un diplômé? J'ai dit non. J'ai dû revenir au village pour commencer ce business d'haricots de plantains. Et comme tu peux le voir, je m'en sors très bien. Mmh. Je ne me plains pas. Mais oui. Encore, tu t'en sors vraiment bien. Je peux le voir. Maman, écoute. Oublie ce que tu vois maintenant, ok? Oublie. Très bientôt, tu en prendras quand ton fils est proprio du plus grand restaurant de la ville. Hey! Alors calme-toi, sois juste patiente. Hey, 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 hey. Tu parles toujours de ce business de nourriture? Mon propre fils, mon unique espoir. Dieu m'en préserve. Maman, le business dont tu parles, oui, hein, n'est pas n'importe quel business. C'est un business très lucratif. Quand je vais commencer à m'agrandir, tu sais, quand je vais commencer à avoir mes succursales, et ça sera très bientôt, je vais commencer à prendre soin de toi. Donc cesse de te lamenter. Calme-toi. Osita-dim-ma. Maman. Osita-dim-ma. Tu as promis de me donner un petit-fils. Hein? Maman, je te donnerai un petit-fils quand le bon moment arrivera. Hein? Cesse de t'inquiéter. Tu ne t'es pas trouvé une femme. Encore moins un petit-fils. Est-ce avec ce business de plantain et de haricots, ce bête business, que tu vas trouver de l'argent pour épouser une femme? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas à l'église, pas vrai? Et la foi. Et la foi, crois en ton fils. Je te dis, très bientôt, j'y réussirai. Et je te rendrai fier. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu as compris? Personnellement, je... Tu dois changer de business, je ne suis pas heureuse. C'est bon, maman. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça suffit. Viens. Thank you.
Tsushima, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui? Non, monsieur. Et pourquoi? Vous êtes en congé? Maman n'a pas encore payé ma scolarité. Et où est-elle? Elle est allée à son atelier. Elle est allée à l'atelier? Ok, dans ce cas, j'irai la voir là-bas. Tonton, tu ne m'as rien apporté. Aïe. Satisfaitième. Ne t'en fais pas, ok? La prochaine fois que je viendrai, je t'apporterai du plantain pour toi, ok? Non, tonton, je ne veux pas le plantain avec les haricots, je veux les bonbons. Tu veux les bonbons? Ne t'en fais pas, je te les apporterai. D'accord? Ok. Je vais voir ta mère. D'accord? Je vais voir ta mère. Quoi ça? C'est un MP, non? C'est quoi un MP? On fait quoi avec? Ah, on l'utilise pour jouer de la musique. Hein? Tu ne vois pas? Un truc sale comme ça. Comment est-ce qu'on peut jouer de la musique avec? Hein? C'est quel genre de musique qu'on écoute avec ça? Je dois ouvrir ça pour voir. Oh. Madame, qu'est-ce qui te prend autant de temps? Ah. Où est passé ce truc? Madame, ça fait plus d'une heure maintenant. Mais c'est terrible. Madame, qu'est-ce que tu dis? Tu appelles ce truc un simple MP? Ok, non, attends. Si c'était un simple MP comme tu l'as dit, pourquoi est-ce que tu l'as apporté pour que je le répare? Pourquoi ne l'as-tu pas réparé toi-même? Simple MP. Simple MP. Simple MP. Mauvaise langue. C'est parce que j'en ai marre d'attendre. Avec ses cils comme un papillon qu'on a chassé du ciel. D'ailleurs, je ne répare plus ça. Tiens, prends ça. Je ne répare plus. Va réparer ça toi-même. C'est parce que je suis fatiguée d'attendre que je te demande ça. Prends ça vite. Comme j'ai ouvert ce truc, tu vas me donner 500 naira. 500 naira pourquoi? Pour avoir ouvert ce truc. Si je te donne 500 naira pour avoir ouvert ce truc, combien vais-je donner pour la réparation? Hein? Tu veux seulement m'escroquer? Oh, je vais t'escroquer? Allez, madame, donne-moi mes 500 naira. Pourquoi? Ça, c'est de l'escroquerie. Oh! Je t'en prie, donne-moi mon MP pour que je m'en Que je te donne ton MP, tu pars d'ici. Bien sûr. Madame, laisse-moi te dire, si tu ne me donnes pas mes 500 naira, tu sauras pourquoi est-ce qu'on m'appelle Agnès. Donne-moi mon MP, je pars d'ici. Oh! Que je te donne ton MP, tu pars, c'est ça? Tu n'as pas peur de moi, c'est ça? C'est pour ça que tu me parles n'importe comment. Avec tes cils comme un papillon qu'on a chassé du ciel. Attends, tu vas voir. Je vais te donner. Je vais te frapper. Je vais te frapper. C'est quoi ça? Hein? Regardez-moi ça. Madame? Madame, tu as oublié ton MP. Tu as oublié ton MP. J'ai trouvé ma part. Je vais utiliser ça pour écouter la radio. Même pour téléphoner. Alors? Viens chercher. Voici l'argent. Hey! Hey. Aussi, 10 000 naira cash. Oui. Aussi, s'il te plaît, tu te rappelles que je t'ai dit que je n'allais pas vite te rembourser parce que je ne sais pas où je vais prendre l'argent. Qui t'a demandé de rembourser? Tu n'as pas me rembourser, c'est pour toi. 10 000 naira? Oui. Tu mérites même plus. Hey. Tu mérites plus. Osita, Osita, viens. Viens d'abord, viens. Hein? Osita, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi je fais quoi? Parle à Guy. Pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais? Pourquoi?
Agui, je ne comprends pas. Parle-moi, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Osita, la façon dont tu m'aides, ça me touche. Personne ne m'aide comme ça. Personne. Osita, chaque fois que j'ai besoin d'argent, tu m'en donnes toujours. Osita, tu sais combien je t'ai déjà emprunté que je n'ai jamais remboursé. Y compris cette somme que tu me demandes maintenant de ne pas rembourser. Hein? De plus, je ne compte même pas les repas gratuits que tu me fais manger chaque jour. Osita, quelque chose me dit que tu ne fais pas tout ça pour rien. Il y a une raison. Il y a une raison. Dis-moi pourquoi. Eh bien, honnêtement, il n'y a aucune raison. Juste comme ça? J'ai fait tout ça parce que tu es mon ami. Ce que je ressens pour toi, c'est... Tu sais, j'ai fait tout ça parce que je t'aime bien. Osita, qu'est-ce que tu racontes? Que tu aimes qui? Non, c'est juste que je vais me t'aider. C'est ce que je veux dire. Oh. Tu es mon ami. Tu es comme une sœur pour moi. Oh, Osita. Oui. Maintenant, je comprends. Hey. Oui. Vraiment, tu es mon frère. Oui. Et moi aussi, je serai toujours ta sœur. Hey, Osita. Écoute, hein. Ça me touche beaucoup. Si j'en avais plus, je t'en aurais donné. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi. Hey. Rien. Osita, j'enlève mes babouches, je mets mes pieds au sol pour te bénir. Dieu te bénira le matin, dans l'après-midi. Amen. Tout comme tu m'as prise comme ta sœur bien-aimée. Ah, Dieu va continuer à te bénir. Amen. Tu épouseras la meilleure femme. Tu auras les meilleurs enfants. Amen. Dieu te fera réussir. Il te bénira. Amen. Hey, Osita, merci. Osita, Dieu va te bénir. Il va te bénir. Osita, lâche-moi. Lâche-moi. Osita, tu vas m'écraser. Ah, ah. Yeah. Osita, tu pleures? Oh non, je ne pleure pas. Osita, qu'est-ce que tu as? Non, quelque chose entre dans mes yeux. Quelque chose est entré dans tes yeux? Je ne sais pas. Je crois. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Qu'est-ce qui est entré dans tes yeux? Oui, mon pote. Dis-moi où est-ce que tu as pris ce truc. Mon pote. Ok, c'est bon. Je l'ai laissé ce matin. Oui. Ce n'est pas facile. Alors, quoi de neuf? Comment se porte le business? Ah, je me débrouille. Ton pote se débrouille un peu. un peu. Et ta mère, comment elle va? Elle te dérange toujours? Ah, cette femme ne me laisse pas respirer depuis l'autre jour. Elle me dérange énormément. Je ne sais même plus quoi lui dire. Je suis dépassé. Mais écoute, tu as vraiment une façon bizarre de gérer les choses, mec. Je veux dire, comment peux-tu rester avec une fille aussi longtemps? Sans lui dire que tu l'aimes en secret, tu penses que c'est cool? Tu demandes ça comme si tu ne connais pas cette fille. Comment vais-je parler à une fille qui n'est même pas encore prête à écouter? Je lui dirai un jour, quand le moment sera bon. Je tirerai ma cible une fois. Comment tu fais pour savoir qu'elle ne peut pas t'écouter si tu ne lui dis rien, hein? De plus, tu n'es pas dans sa tête. Tu peux être là à raconter tout ça alors que tu n'as même pas encore fait une tentative. Mon frère, je suis un psychologue. Je le sais à mon fond intérieur. Ces trucs-ci, on les appelle des affaires du cœur. Ce n'est pas un truc que tu vas juste dire à une fille. Non, non, non. Tu observes d'abord la fille, savoir quand c'est le bon moment, quand elle est prête, puis tu fonces. Si je le fais maintenant et qu'elle n'est pas prête, ah, je vais sûrement tout gâcher. Si j'y vais au mauvais moment, c'est sûr qu'elle ne m'écoutera pas. C'est ce qui se passe. Alors, Mathieu, tu dois comprendre ça. Continue de parler ainsi jusqu'à ce qu'un autre homme vienne te l'apprendre, comme ça. Il n'est même pas. Cet homme n'est même pas encore né. Personne ne peut et elle n'écoutera jamais l'homme dont tu parles. Aussi, écoute-moi, je t'en prie. Tu dois battre le fer tant qu'il est encore chaud. Regarde-moi. Je suis marié parce que je savais ce que je voulais. Je me suis préparé. J'ai vu une fille qui est de la même classe que moi. Je suis allé vers elle et tout s'est passé comme sur des roulettes. Je n'ai pas souffert pour chercher une fille qui n'est pas du tout à la même page que moi. Et je veux que tu fasses pareil. C'est tout.
Si je te comprends parfaitement bien, tu dis que je ne sais pas ce que je veux ou quoi. Pardon, nous n'allons pas commencer à nous chamailler aujourd'hui. Quoi de neuf? Je m'ennuyais à la maison. Ma femme est allée à la visite prénatale. Tu sais qu'elle est déjà enceinte. Ah, Nawao. Donc tu as chassé immédiatement. Tu ne me rends pas visite, comment saurais-tu ça? Tu as marqué. Tu es vraiment un attaquant, hein? Un dangereux attaquant. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mais il fallait attendre un peu, non? Maman? Maman, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon après-midi, monsieur. Maman, tu ne m'avais pas dit que tu venais. Je ne t'attendais pas. C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Hein? C'est ta nouvelle façon de saluer? Ok, maman, bonjour. Mais je ne t'attendais pas. Osita Dima, ouvre la porte, laisse ta mère entrer et cesse de poser autant de questions. Maman, je vis dans une chambre et tu es accompagnée. Qui est-ce? Écoute, maman, je ne trouve pas ça drôle. Que se passe-t-il ici? C'est quelle bêtise que tu racontes là? Elle est venue à Maka pour vivre avec toi comme ta femme. Maman, tu t'attends à ce que je prenne une femme que je ne connais pas en tant qu'épouse? Comment? Où est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu comptes te marier avec ta sœur? Je ne compte pas épouser ma sœur. Mais je ne peux pas épouser celle-là. Je ne suis pas intéressée. Osita, tu as menti. Tu vas épouser Amaka. Amaka, dis-toi qu'elle est déjà ta femme. Oh, Malikia Woke. Ne t'en fais pas. D'accord? Je suis ici pour prendre soin de toi. Bam! Tu racontes quoi? Toi et qui? Toi et qui? Tu es normal? Laisse-moi te dire ceci. Si tu sais ce qui est bien pour toi, tu ferais mieux de retourner d'où maman t'a ramassé. Parce que je ne suis pas intéressé. Lis mes lèvres. Je ne suis pas intéressé. Maman. Osita. Osita, tu racontes des histoires. Aussi longtemps que je serai ta mère, tu vas épouser Amaka et point final. Écoute, maman, laisse-moi te dire un truc. Si je vois cette fille quand je serai de retour dans cette maison, si je la vois, hey, laisse-la partir, sinon... Sinon quoi? Que vas-tu faire? Hey! Est-ce que tu deviens fou? Ok. Osita Dima, tu vas épouser Amaka que tu le veuilles ou pas. Tu rêves. Tu vas l'épouser que tu le veuilles ou pas. Épouse-la toi-même. Ma chérie, relax. Maman. Calme-toi, relax. Laisse-le devenir fou. Ne suis-je pas sa mère? Maman. Il va se marier avec toi et point final. Maman, tu es sûre que ceci ne causera pas d'autres problèmes? Moi, je ne veux pas les problèmes. Je n'aime pas du tout les problèmes. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est mon fils et il va t'épouser. Qu'il le veut ou pas. Relax. Allons à l'intérieur. C'est ton foyer. Tu n'as pas paniqué. Viens, on va. Mouniawam, oh. Hey, tu seras ma belle-fille. Honnêtement, maman, je n'aime pas cette idée. Je ne l'aime pas du tout. Mais c'est la meilleure idée jusqu'ici pour moi. Pour moi, c'est la meilleure idée. Tu sais très bien qu'il sera en colère contre moi quand il va rentrer. Et alors? Il peut se fâcher contre toi comme il veut et quand il veut, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que tu resteras dans cette maison pour toujours. Tu vas devenir sa femme, qu'il le veuille ou pas. Quand il va rentrer, dis-lui que j'ai dit que tu dois rester ici. Moi, je vais à ma réunion des femmes. Mais maman, tu sais très bien comment il est. Je ne veux pas qu'il revienne ici et se mette à me traiter comme une ordure. Je n'aime pas du tout ça. C'est quoi, Maka? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne veux-tu plus te marier? Ou tu ne sais pas comment avoir un homme quand tu le désires, hein? Tu vas à l'intérieur, tu lui prépares quelque chose de délicieux. Quand il reviendra de son plantain, son business de plantain, il trouvera quelque chose à manger. Hein? Il doit t'épouser, oh. Allons, tu m'accompagnes. C'est d'accord, maman. Sois forte. C'est juste... Ne t'en fais pas.
qu'il y a? Cette fille n'est pas là ou bien? Wow. Elle n'a même pas bien fermé la boutique. Je crois que je vais l'attendre. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Où est passée cette électronicienne? C'est elle que j'attends ici. On dirait qu'elle n'est pas loin. Mais c'est la troisième fois. Ah, j'espère qu'elle n'a pas vendu ma radio. Vendre ta radio? Pourquoi vendre ta radio? Elle me fait peur. C'est la troisième fois que je viens ici. Elle n'est jamais là. Mais assieds-toi, tu l'attends. Ou alors, tu reviens demain. Elle ne doit pas être loin. Son atelier est ouvert. Elle ne doit pas être loin. Je ne peux pas, je dois vraiment partir. Prochainement seulement. Attends, j'ai du haricot et des plantains délicieux avec de l'eau coca. Tu t'en apportes un peu? J'ai vraiment pas besoin de ça. Je veux ma radio, je veux ma radio. Waouh. Ah maman, bonjour. Comme tu viens tôt comme ça, j'espère que tout va bien. Hein? Tout ne va pas bien. J'ai fait l'effort de partir tôt le matin pour m'assurer de te trouver chez toi avant que tu n'ailles à ton bed business. Ah, ah, maman, ce business n'est pas un bed business. Tout ce qu'un homme trouve à faire pour mettre de la nourriture sur la table n'est pas un bed business. Et je t'ai dit de cesser de t'inquiéter pour moi. Pourquoi l'as-tu chassée de chez toi? Ça s'équipe chez moi. Cette fille? Attends. Maman, ne me dis pas que c'est pour cette raison que tu es si tôt comme ça. Pour parler de cette fille. Maman, non. J'ai amené Amaka ici pour prendre soin de toi. Pour que tu prépares ton mariage. Hein? Maman, je t'ai dit d'arrêter de t'inquiéter pour moi. Quand je serai prêt, je me trouverai tout seul une femme. Mais tu es mon fils. Et je dois mourir parce que je suis ton fils? Maman, arrête tout ça, s'il te plaît. Amaka est la meilleure pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Maman... Tu dois épouser Amaka. Maman... Si je suis ta mère... Maman, c'est trop tôt pour ce genre de discussion. Comme tu peux le voir, j'y vais au marché. Je vais à Eke pour acheter des plantains et faire des livraisons. Et le reste, j'irai les retirer à ma boutique. Et je dois aussi préparer le haricot pour ça. Donc je n'ai vraiment plus le temps. Hein? Pardon, je dois y aller. Tiens la clé, il y a le repas à l'intérieur. Dès que tu finis, tu manges. Au cas où tu veux t'en aller, tu verrouilles la porte et tu gardes les clés là-bas, à l'endroit où je les garde souvent. Bon, à plus tard, maman. Ozita, tu ne vas pas me tuer, oh. Tu ne vas pas me tuer dans cette maison. Tu dois épouser Amaka, c'est tout ce que je sais. Tu es encore ici? Bébé, tu es rentré? Ne touche pas. Où est ma mère? Maman est rentrée chez elle. Oh, maman est retournée chez elle? Et toi, que fais-tu ici? Ah, bébé, elle m'a dit de rester et de prendre soin de toi. Je t'aime tellement, si tu savais. T'occuper de moi en tant que qui? Ah, ah, bébé, arrête, non. Regarde-moi. Hein? Tout ça, bébé, hein? J'ai tout ce qu'il faut. Ne suis-je pas belle? Tout ça, c'est pour toi, hein? Écoute, laisse-moi te dire ceci. Va à l'intérieur, ramasse tout ce qui t'appartient et rentre de l'endroit d'où tu viens. Je ne sais pas où maman t'a ramassé. Juste, prends tes affaires et retourne là-bas. Bébé, je n'irai nulle part. Je vais rester ici. Qu'est-ce que tu dis? Je vais rester. Tu veux rester? Tu veux rester? Ok. Tu vas partir de chez moi. Attends. 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 Que je te revois encore ici. Je te dis de ne plus revenir ici. Et si tu reviens ici, tu verras ce que je te ferai. Essaie encore. N'importe quoi. Je vais rester. Tu rêves en couleur, hein? Tu crois que tu peux m'épouser? Une sorcière comme ça. Pa-pa-na-pa-na-pa-na-dion. Kodiri.
Je mange la vie. Je mange la vie. Ah, Agi, la réparatrice, tu t'amuses. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu t'inviter, mais ça ne va pas suffire. Ne t'en fais pas, ça va, tout doucement. En passant, où est la radio que je t'avais donnée dernièrement? Celle radio? Qui était bleue, tu l'avais réparée? Okay. Ah, ça fonctionne? Hi, Chai, Agi. Hein? Agi, la réparatrice. Hein? Donc tu as pu la réparer. Waouh. Tu sais, j'ai marché dans tout ce village, je n'ai trouvé personne qui pouvait la réparer. Aïe, Agi, tu es trop forte. Tu vois, ça c'est pour te montrer que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire 3 fois mieux. Je croyais, mais je doutais un peu. Ah, alors je te dois combien? C'est 1000 naira, mais si tu veux ajouter quelque chose, ça va beaucoup me plaire. Je n'ai que 1000 naira, mais on va faire un truc. Je vais t'envoyer un bon client. Oui, un très bon client, un client de valeur. Mon pote! Hein? Attends, je cherche l'argent que j'ai apporté. Ah! Hey, j'ai trouvé l'argent. Écoute, prends ton argent, ça fera l'affaire. T'inquiète pas, je t'apporterai plus de clients. Je te dis, je t'apporterai plus de clients, de très bons clients, je te dis. Hey, je dois partir, amuse-toi bien. Agi, Agi la réparatrice. Agnès, alors j'y vais, à plus. C'est comme ça qu'on m'appelle. Agnès la réparatrice de radio. Agnès la réparatrice de radio. Chez moi. Hey, donne-moi. Tu vois, pour un pauvre 500 naira, tu te comportes comme si tu avais perdu beaucoup d'argent. Hein? Tu vois, venez demander ton argent. Même quand ton mari travaille, l'épargner et te donner de l'argent pour que tu t'occupes de toi et de ton enfant. Regarde-toi, travaille et manger. On dit que c'est la boutique, toi tu travailles et tu manges. Ton enfant est à la maison. Tu bois du jus, tu manges des cacahuètes et des biscuits. Tu es kaki les yeux comme je ne sais quoi. Hein? Un pauvre 500 naira. En tout cas, je te blâme pas, je fais tout le travail pour toi. Ishaki avec la tête de noix de coco. Va-t'en. On te donne l'argent, tu te plains. Osita, attends s'il te plaît, attends que je comprenne. Tu veux dire que ta mère est venue avec une femme, l'a laissée chez toi et est retournée chez elle? Tu crois que je blague? Ça veut dire quoi? Hein, quoi? Il n'y a rien d'amusant là, qu'est-ce que tu ris? Osita, mon ami, c'est marié. Osita, c'est marié. Je ne blague pas avec cette histoire. Ne fais pas comme ma mère pour m'énerver, pardon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis contente que mon ami Osita se soit marié. De gré ou de force, Osita s'est marié. Osita s'est marié. Osita s'est marié. Arrête de dire ça. Ça veut dire quoi, Osita s'est marié? Laisse-moi te dire. J'ai même chassé cette idiote d'ici moi. Elle est partie. Osita, tu étais fou avant? Tu es malade? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es normal? Tu veux que je reste avec une femme pour laquelle je n'ai absolument aucun sentiment dans ma maison comme femme? Ce sont les choses d'où? Osita, s'il te plaît, ne me crie pas dessus. Je suis la fille. Tu oublies à qui tu parles. Baisse d'un ton, c'est à moi que tu parles. Hey, Osita. Je pensais que tu étais normale avant, mais là, je ne suis vraiment plus sûre. Oh. Oui, je vois. Osita, je vois la police. Osita, police. Osita. Prophétesse. Et je vois des menottes. On t'a menotté. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Osita, Osita, parce que la fille que tu as fait partir de chez toi là, elle ne connaît personne ici à Enugu. Elle ne connaît personne dans cette ville. Elle ne connaît personne et tu la chasses de chez toi si quelque chose lui arrive. Et si on la kidnappe? Et si des bandits l'arrêtent en route et prennent tout ce qu'elle a sur elle?
Aussitôt si quelque chose arrive à cette fille, tu vas souffrir. Je t'ai compris. Je t'ai compris. Attends. Cette fille? Que dis-je, cette fille? Cette femme? Tu crois qu'il lui arrivera quoi? Elle est assez vieille pour avoir un enfant. Fini. Elle retrouvera son chemin, même jusqu'à Lagos, elle finira par retrouver son chemin dans tous les cas. Hey, tu m'étonnes, hein? Osita, je ne crois pas que ce soit toi qui dise ça. Tu vois, quelqu'un d'autre parle en toi. Je ne veux pas croire que ce soit toi, parce que je vais te regarder autrement. Sérieusement, je suis fâchée contre toi. Osita, attends. Osita, c'est quoi ton problème? Vous, les hommes, la plupart d'entre vous, quand vous n'aimez pas une femme, vous la traitez comme une ordure. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un dicton qui dit le respect est réciproqué, hein? Réciproque, hein? Peu importe. Tu es censé respecter la femme. Osita, c'est très important. Tu ne dois pas la traiter comme une ordure. Si c'était ta sœur, tu allais la traiter comme ça? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi et lui permettre de rester là-bas. Ensuite, demain, tu lui dis officiellement de partir, tu lui donnes le transport, tu lui dis au revoir et que tu ne veux pas. On ne traite pas la femme comme une ordure. Agui, je te traite bien, non? Je te traite avec respect, tout et tout, tu vois? Si tu me traites avec respect, alors prouve-moi que tu me traites avec respect. Ne fais pas semblant. Faire semblant, moi? Tout ce que je fais, je le fais. Avec le cœur, avec un cœur très sincère. Avec ton cœur sincère, rentre sincèrement chez toi et retrouve cette femme. Demande-lui de rester chez toi jusqu'à ce que tu sois prêt à lui demander de partir. Vas-y maintenant. Tu dis maintenant? J'ai dit tout de suite. Tout de suite. Vas-y. Je suis venu pour qu'on discute un peu. Tu ne m'as même pas donné à manger. Rien du tout. Apprends à bien traiter les femmes. J'ai compris. Rentre chez toi et assure-toi de faire ce que j'ai dit. Ne pense pas que je ne te vois pas. Je te vois. Je te vois avec mon œil gauche. Agui, j'ai compris. Rentre chez toi et fais ce que j'ai dit. Tu es encore là. Tu es encore assise là. Écoute, honnêtement, je ne peux pas retourner en ville. Il se fait déjà tard. La seule raison pour laquelle je te laisserai passer une nuit de plus ici, c'est à cause de mon ami. Mais écoute-moi très bien. Demain matin, la première des choses, demain matin, je t'amène à la gare. Pour que tu retournes d'où tu sors. Mais chérie, je t'aime tellement. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Plus jamais, ne le fais plus. Sinon, je te chasse tout de suite, maintenant. Je t'aime, Osita, je t'aime. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Regarde-moi. Tu me connaissais avant? Mm-mm. On s'est vu avant? Et pourquoi tu dis que tu m'aimes? Regarde ta coiffure. Regarde tes oreilles. C'est une boucle d'oreilles. Regarde ton nez. Tout ce que tu me jettes avec ma mère, ça ne me concerne pas. Alors, respecte-toi. Demain, tu t'en vas. Moi, tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Oh. Oh, wow. Je t'aime. Moi, c'est tout ce que je sais. Je t'aime. Ah. Est-ce qu'un homme... dans ce village, t'as-tu déjà dit combien tu es belle? Alors ça veut dire qu'on a beaucoup d'aveugles dans ce village. Écoute, laisse-moi te dire, tu es vraiment très belle. En fait, tu es extrêmement belle. En vérité, tu as la quintessence de la beauté. Tu vas me faire pisser sur moi. Mais c'est la vérité que j'ai dit. Rien qu'à te regarder, me rappelle ma défunte mère, combien elle était belle. Hey, ta maman est morte? Hey. Depuis longtemps. Il y a... désolé. Merci. Mais je lui ai fait une promesse. Je lui ai fait la promesse que j'épouserai une fille vraiment très belle, qui me fera de très beaux enfants. Mais toi-même, tu es déjà très beau. Alors ne t'en fais pas, tu feras de très beaux enfants. Tu veux dire non? Non, toi. Tu feras de très beaux enfants, pas nous.
Veux-tu m'épouser? Comment ça? Voici ma maison. Sois la bienvenue chez moi. Merci, monsieur. Merci. Non, 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 non. S'il te plaît. Tu peux m'appeler chérie, doudou, mon mari, ou tout autre petit nom que tu connais. Pas monsieur, s'il te plaît. Ok? Désolé, monsieur. Et voilà que tu recommences. En tout cas, comment est-ce que tu trouves ici? Hey, ta maison est vraiment très très belle, hein? Regarde-moi tous ces beaux arbres, hein? Regarde, celui-là c'est un manguier. Oui. Et l'autre un goyavier. Aussi des plantains. Hey, ta concession est vraiment très belle. Très belle, j'aime bien. Merci beaucoup. Je suis content que ça te plaise. Merci, monsieur. Mais j'ai toujours le projet de m'installer en ville. Mais ça, ça sera quand les enfants commenceront à naître. Tu vois? Oui. Si tu demandes mon avis, ce n'est pas nécessaire de déménager. Parce que cette maison est assez grande pour élever tes enfants. Elle est grande et très belle. Souviens-toi, de très beaux enfants. Écoute, voilà ce qu'on va faire maintenant. Tu vas aller à l'intérieur et m'attendre. Je vais aller chercher quelque chose à manger. Ok? D'accord, je t'en monsieur. Prie, mon amour. Viens, entre. Viens t'asseoir ici. Chérie, j'espère que tu savoures ton repas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Je veux retourner dans la maison de mon père. Je ne comprends pas. Rentrer chez ton père, mais pourquoi? Je ne sais pas ce que je fais ici. Écoute, chérie, tu es mariée avec moi. Je suis ton mari. Hein? C'est ici ton nouveau foyer maintenant. Je sais pas de quoi tu parles là maintenant. Hey! Donc c'est comme ça que le mariage est? Donc je quitte la maison de mon père pour venir rester avec toi ici du matin au soir? Tu vas dehors, tu reviens avec de la nourriture pour que toi et moi on mange, et ça tous les jours. La nuit, tu vas m'emmener dans ta maison et tu vas vouloir qu'on fasse la chose. Donc c'est comme ça que le mariage est? Je ne veux pas. S'il te plaît, libère-moi que je retourne chez mon père, s'il te plaît. Le bois que ma mère utilise pour cuisiner, c'est moi qui vais le chercher. Je ne sais pas comment elle fait pour cuisiner maintenant. Et je suis la seule à savoir où je prends ce bois. Je suis la seule à savoir où je prends ce bois. Comment est-ce que mes parents vont faire maintenant? Je veux rentrer chez chérie, mon père. Chérie, s'il te plaît. Le bien-être ne devrait pas être ton souci. Désormais, ton seul souci, c'est de s'occuper de moi. De ma maison, je veux dire, notre maison. Et de nos futurs enfants. Nos futurs enfants? Oui. Donc ça veut dire qu'on aura des enfants? Mais bien sûr. Ne veux-tu pas avoir d'enfants? Hey! Qu'est-ce que tu as? Libère-moi que je rentre chez mon père. Je ne peux plus me marier. On n'est pas arrivé à ce niveau. Arrête de pleurer. Je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas. Le mariage est dur. Je ne peux pas. Je reste ici toute seule. Je ne veux plus me marier. Chérie, laisse-moi partir. Laisse-moi rentrer chez mon père. Écoute, laisse-moi te dire un truc. C'est exactement ce que ton père et ta mère ont fait. Et ils t'ont accouché.
Tu dois avoir tes propres enfants. Hein? Je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça. Série, tu vas le faire. Je ne veux pas. Je ne peux pas faire ça. Tu vas le faire. Je ne peux pas le faire. Je suis désolé. Je suis désolé. Laisse-moi partir. Laisse-moi rentrer chez mon père. Je ne veux plus. S'il te plaît, laisse-moi partir. Laisse-moi partir chez mon père. Je ne veux plus me marier. Ça va. Je ne veux plus me marier. Laisse-moi rentrer chez mon père. Arrête. Je ne veux plus me marier. Hé, ah, allons-y. Allez, où? Où est-ce que tu vas? Toi, où est-ce que tu vas? Je vais au boulot, bien sûr. Nous allons au boulot. Oh, non, non. Je crois te l'avoir déjà dit. Mon boulot consiste à dépanner les appareils électroniques comme les télévisions, les radios et tout ça. Ce n'est pas un boulot pour femmes, c'est un boulot pour hommes. Qui te l'a dit? Qui t'a dit que c'est un boulot d'homme? C'est aussi un boulot de femme. Écoute, quand j'étais petite, je gâtais tous les appareils qu'on avait chez nous et même chez les voisins. Et c'était encore moi qui les réparais. Je les réparais moi-même. Oui. Alors arrête de dire des bêtises, C'est un boulot d'homme et de femme. Viens, on y va. Donc tu peux le faire? Oui. Ok, mais tu ne peux quand même pas venir comme ça. Tu dois trouver des vêtements appropriés. Tu sais, c'est un atelier. Donc tu dois te changer. Ça ne peut pas aller comme ça. Ok, attends. Je dois me changer pour mettre des trucs comme des jeans, bingo, des polos, voilà, des culottes pour être exactement à l'aise. Hey, exactement. J'arrive. Je t'attends. Attends-moi. Je vais me changer. Allez, fuyons. Hilary. Pas de problème. Tu penses que je ne connais pas ton atelier? Je vais venir te retrouver là-bas. Attends, je vais me changer. Tu penses que tu es le seul qui va pouvoir travailler? Naï, chérie, mon amour, tu es ici? Oui. Écoute, chérie, tu ne m'as toujours pas dit quelle est ta décision. Et tu as eu assez de temps pour prendre une décision. Quelle décision? Sur quoi faire, bien sûr. Oh. Veux-tu rester à la maison comme une femme au foyer? Est-ce que c'est ce que tu veux? Bah, non. Femme au foyer de quoi? Non, je t'ai dit que je voulais être une femme au foyer. Je ne veux pas être une femme au foyer. Tu m'as dit que tu étais passionnée par ton boulot. Tu es passionnée par ton boulot. Ce n'est pas ce que tu m'as dit? Oh oui. Je suis vraiment passionnée par mon boulot. Et je voudrais que l'un de mes enfants devienne un ingénieur, mais pas le genre d'ingénieur que je suis. Ingénieur, c'est ingénieur. Ingénieur, c'est ingénieur, s'il te plaît. Comment ça, pas ingénieur comme toi? Écoute, je veux être ingénieur comme toi. Alors, c'est pour ça que je veux que tu m'apprennes ton métier, pour que je travaille comme toi. Non. Ce travail en particulier n'est pas fait pour les femmes. Je te l'ai déjà dit. Tu as oublié que hier, c'est moi qui ai... C'est moi qui ai aidé cette femme à réparer sa radio à ton atelier. Ce n'était pas moi. Et la radio a fonctionné. Ça a fonctionné. Alors calme-toi et montre-moi le travail. J'apprendrai. Chérie, écoute, tu dois chercher quelque chose d'autre à faire. J'insiste, ce job n'est pas fait pour les femmes. Hein? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre? Chérie, il arrive. Oui. Il a... Oui.
Tu sais que je t'aime tellement. Oui, je sais. Et tu sais que je vais passer le restant de mes jours avec toi. Oui. Ta douleur, c'est ma douleur. Oui. Partout où tu iras, j'irai. Tout ce que tu mangeras, je mangerai. Ta famille, c'est ma famille. Et ton boulot, c'est mon boulot. Alors, chérie, ton ingéniosité, c'est mon ingéniosité. Mmh. Alors arrête ça et apprends-moi le travail. Je serai ingénieur comme toi. Mmh. Tu comprends? Ila, ila. Ila, ila, ilala. Pas de problème. Comment tu vas? C'est bien ce que tu comprennes. Je vais bien. Tu as mangé? Non, je vais manger. Tu as mangé dehors? Non, comment puis-je manger dehors? Tu n'as pas mangé pas dehors. Pas du tout. Tu n'as pas mangé dehors. Tout. Je sais que tu n'as pas mangé dehors. Je plaisante. Mais si tu avais mangé dehors, je serais fâchée contre toi. Viens, on y va, je te donne à manger, d'accord? C'est super. Notre banc. Laisse-moi porter notre banc. On ne peut pas laisser non, ça dehors. Mais qu'est-ce que tu Allez, fais? Allez, laisse. Non, mais, je peux porter. Non, laisse, c'est à moi de le faire. Je peux porter. Laisse. Pas, je peux porter. Lâche. Bébé? Bébé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Mon amour. Je lis mon manuel de réparation. Manuel de réparation? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est un livre qui explique comment bien réparer tout appareil électronique. Ah. Et? Oui. Donc tu veux dire que si j'ai ce livre, je peux réparer n'importe quoi? Oui. Mais seulement si tu assistes à la télé avec moi. Si tu ne viens pas, tu ne sauras jamais comment ça marche. Hey. Écoute, tu vois tous ces schémas dans ce livre. C'est moi qui les ai faits. À partir de ce que j'ai compris lorsque j'étais en formation. Oui. Hey. Attends. Attends, chérie. Ce que tu veux me dire, si je comprends bien, c'est que si j'ai ce livre maintenant, hein, je pourrais réparer n'importe quoi et on m'appellera ingénieur, tout comme toi. Hein? Chérie, loin de là. Ça ne marche pas comme ça. Tu devras quand même assister à la formation. La formation formelle. Mais à bien y réfléchir. Je te l'ai déjà dit à maintes reprises de me laisser ouvrir une boutique pour toi. Hmm? Chérie, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Si ça ne concerne pas les choses d'ingénieur, ne me parle pas de ça. La boutique, c'est pourquoi. Je refuse bon. Ça. C'est bon. Reviens, reviens. Viens. Je ne viens pas. Viens. Si ce n'est pas le métier d'ingénieur, ne compte pas sur moi. Ingénieur, c'est mon appel. Ingénieur, c'est ce que je suis. Je suis ingénieur. Ingénieur, c'est ce que je suis. Je ne veux rien d'autre. Chérie, voici ce que le médecin m'a donné à l'hôpital. Je ne vais pas bien, je ne sais pas, je ne me sens pas bien du tout. Life International Hospital. Quoi? Je suis enceinte! Oh mon Dieu! Ma femme est enceinte! Oh mon Dieu, ma femme est enceinte. Merci Jésus. Merci Jésus. Ma femme est enceinte. Oh, qu'est-ce que je suis content. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chérie, tu n'es pas contente? Tu devrais être folle de joie. Mais c'est une bonne nouvelle. Hein? Tu plaisantes ou bien tu es sérieux? Mais comment puis-je blaguer avec une telle chose? Je suis très sérieux. Je suis enceinte. Ne le vois-tu pas? Tu veux dire que comme je suis enceinte, mon ventre va gonfler? Un bébé sera à l'intérieur? Mais oui! Et je vais accoucher? Eh bien sûr que oui! Donc maintenant, les gens vont se mettre à m'appeler maman du bébé, maman à boy, maman chigué. Moi?
Une petite fille qui n'est même pas sage. Moi qui suis encore une petite fille, je ne suis même pas sage et je vais accoucher. Je ne veux pas accoucher. Tu vas accoucher? Non, je ne peux pas. Tu vas accoucher? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas accoucher. Tu peux accoucher? Je ne peux pas accoucher, oh! Je ne peux pas accoucher. Bon, laisse-moi te dire. C'est la prière pour toute femme dans cette vie. D'avoir le propre enfant. Hein? Hein? C'est ton tour, c'est notre tour. Je ne peux pas accoucher, s'il te plaît. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je suis encore petite. Je suis trop petite pour accoucher. Une petite fille comme moi qui va accoucher un gros bébé. Je ne peux pas. Écoute, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, toi et moi, on va retourner à l'hôpital. Je vais demander au docteur de mettre le bébé dans ton ventre. Tu vas le porter toi-même, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On va aller voir le docteur. Il va prendre le bébé et le mettre dans ton ventre, s'il te plaît. Hé ! Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hein? Hilary, où étais-tu quand j'étais en travail? Où étais-tu? Chérie, mon téléphone était éteint. Je n'avais plus de batterie. C'est pour cela que tu n'as pas pu me joindre. Hey, oui. Tu parles à quelqu'un qui est stupide ou quoi? Ton téléphone était éteint. Ton téléphone était éteint, c'est ça? Pas de problème. Éteins-le et va-t'en. Allez, éteins-le encore et va-t'en. Écoute-moi très bien. Je n'ai absolument pas ton temps. Hilary, j'étais en travail. Et je ne t'ai pas vu. Je t'ai appelé, ton téléphone était éteint. Je me suis dit, hein? J'ai appelé encore et encore jusqu'à être frustrée.
C'est une inconnue, une parfaite inconnue qui m'a conduit à l'hôpital, qui est avec moi en salle d'accouchement, qui m'a massé le dos jusqu'à ce que j'accouche. Il arrive avec ta grosse tête, je n'arrivais pas à te joindre. Chérie, tu sais, je n'aurais pas refusé de venir. C'est à cause de mon téléphone. C'est mon téléphone. Ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est ton téléphone. Il arrive, je n'ai pas ton temps. Retourne immédiatement d'où tu viens. Comme tu peux le constater, mon enfant pleure, hein? Écoute, je veux aller laver mon bébé, hein? S'il te plaît, si tu sais où tu as pris ton bain, va chercher ta serviette là-bas. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mon enfant est ma seule source de bonheur maintenant, et pas toi. Excuse-moi. N'essaye même pas d'entrer ici, Hilary. Je ne veux pas te chasser. Hey! Je peux au moins voir mon enfant? Où est-ce que je vais aller? Hein? N'est-ce pas ma maison? Hein? Oh mon Dieu! Mon ami, merci beaucoup. La façon dont tu m'as aidé en m'amenant en salle d'accouchement. C'est bon. Hein? Merci. Dieu je suis contente que tu aies bien accouché. Je ne peux que te dire félicitations, ma chère. Ah. Félicitations. Merci. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a emmenée en salle d'accouchement et c'est lui qui m'a fait sortir. Plusieurs femmes y vont mais ne sortent pas. À Dieu la gloire. Moi, j'en suis sortie. Je remercie Dieu. Merci, Seigneur. Je te remercie encore. Ne te fâche pas, hein? Je me suis bagarrée avec toi il y a plusieurs mois. Je suis même fâchée contre moi à cause de ça. C'est pas grave. Pardonne-moi, j'ignorais que tu allais m'aider un jour. Regarde ma vie. C'est bon, peu importe ce qui est arrivé, ça ne m'empêchera jamais d'aider une femme qui est dans le besoin. Hey, la honte que je t'avais infligée m'énerve tellement. J'ai tellement honte de ça aujourd'hui. Ah, ça m'énerve vraiment. Désolée. Arrête de t'excuser. Nous faisons tous des erreurs. Oui, nous en faisons tous les jours, hein? Le plus important, c'est que le bébé et toi, vous allez bien. Oui, ma sœur. Même si c'est vrai que j'aurais bien voulu porter la petite fille. Aïe, hé-oh, elle dort. Mais si elle ne dormait pas, je serais allée la porter. Oui. Eh? Je comprends. Ou bien tu vas attendre qu'elle se réveille. Mais on m'attend pour rentrer à la maison. Ne t'en fais pas. Même si tu ne la portes pas aujourd'hui, quand tu reviendras, tu la porteras. Ma maison est désormais ta maison. C'est gentil. N'importe quand, sens-toi libre de venir me rendre visite. Merci. Hé-oh, que Dieu te bénisse. Tu m'as tellement aidée. C'est gentil. Et c'est encore quoi ton nom? Ah, tu as déjà oublié? J'ai une très mauvaise mémoire et j'ai trop de choses en tête. Je ne m'en souviens plus, ne te fâche pas. Mon nom, c'est Stella. Stella? Mais moi, j'ai pas oublié ton nom. Hé, tu n'as pas oublié mon nom? Agnès, la mère du bébé. Oui. Mon nom, c'est Agnès, mais mon mari m'appelle Agui, moi. Agui? Moi. Agnès. Que Dieu te bénisse. Agui. Eh oh. Je dois m'en aller maintenant. Que Dieu te bénisse également. Oh là là, il me faut de l'eau. Chérie, je suis rentré. Hey! Ah! Comme tu rentres vite là, j'espère que tu as bien emmené mon enfant à l'école. J'espère que tu ne l'as pas laissé au portail. Je ne la laisse pas au portail. Mais non. J'ai même garé la voiture à l'intérieur de sa classe. Devine quoi? Elle était vraiment très contente et m'a demandé de revenir la chercher dans l'après-midi. Hey, ma fille ne sait pas que tu lui as menti alors que tu vas voyager. Tu vas lui manquer. Chérie, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Je serai de retour en un rien de temps. Au plus tard ce week-end, je serai de retour. Tu vas me manquer. Tu vas tellement me manquer. C'est vrai ça? Tu sais que tu vas aussi me manquer. C'est bon. C'est bon, je serai de retour en un rien de temps. Et qu'est-ce que tu vas me garder? Ah, c'est une vraie question. Tout ce que tu voudras. Écoute, écris tout ce que tu veux. Va à l'intérieur, ramène un celui de quoi noter. Écris ce que tu veux et j'achèterai tout ça pour toi. Et tu es mon amour. Et mon enfant alors? Tu dois aussi lui acheter quelque chose. Bien sûr. Comme je te l'ai dit, ramène le celui et du papier. Écris tout ce que tu veux. Écris ce que tu veux pour mon enfant et j'achèterai tout ça. Et même ce qui ne figure pas sur la liste, j'achèterai. Ah. Je suis sérieux. Hey. Tu es vraiment sérieux là? Je suis plus que sérieux. Comment pourrais-je blaguer avec ma famille? Hey. Attends, je vais apporter du papier et un stylo. Je vais écrire ce que je veux pour ma fille. S'il te plaît, dépêche-toi. Écris tout ce que tu veux. Je casse ça pour ma fille.
quand elle va rentrer de l'école. Elle va aimer ça. Oui, regardez celle-ci. Une jolie noix. Je vais la garder. Hey! Pardon, il faut que j'aille chercher mon enfant à l'école. Ah, qui m'appelle? L'appel s'est coupé. Hey! Ah, la personne rappelle. Allô? Allô? Hein? Hein? Qu'est-ce que... Oui. Hilary? Hein? Oui, 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 je suis sa femme. C'est moi. Hilary, où il partait? Hein? 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 Qu'est-ce que... Hey! Hey! Tu as déjà tellement pleuré. Tu as trop pleuré. Je t'en prie, regarde-toi, regarde tes yeux. Ils sont tout gonflés. Arrête. Ce n'est pas facile. Ne me demande pas de me calmer. Ce n'est pas ton mari qui est mort. Tu ne peux pas comprendre. Hilary, tu as laissé cet enfant ici. Hilary, je n'ai même pas de quoi pouvoir élever cet enfant toute seule. Agnès. Agnès, rien n'est trop difficile pour Dieu. Regarde à Dieu, mon Dieu pourvoira pour toi. Je t'assure que Dieu n'a jamais déçu celui qui espère en lui. Oh, Stella, arrête de parler. Dieu m'a abandonné, pata pata. Dieu m'a abandonné dans cette situation. Toi-même, regarde, il a laissé Hilary mourir. Je n'ai aucun boulot. Je n'ai rien à faire. À chaque fois, je disais Hilary, Hilary, apprends-moi ton métier. Hilary refusait. Maintenant, Hilary est mort. Je vais faire comment? Eh oh, je suis trop jeune. Je suis Agnès, trop jeune. Dieu pourvoira tout pour toi. Je suis trop jeune pour élever cet enfant. Je suis trop jeune. Agnès, je t'en prie, non? Agnès? Agnès? Agnès, ma chérie. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Est-ce que tout va bien? Je vais bien. C'est le sommeil qui m'a emporté. D'accord. Oui. J'ai acheté ce truc pour ta fille et toi. C'est pas possible. Ah. Hey! Hey! Tout ceci pour nous? Oui. À quoi servent les amis? Hey. Je suis là pour toi. Merci. Je t'en prie, mon ami. Merci beaucoup. Mon Dieu va te bénir. Tu t'es souvenu d'une jeune veuve. Mon Dieu te bénira. C'est bon. Je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi. À quoi servent les amis? Dommage que ma fille ne soit pas encore rentrée de l'école. Elle t'aurait remercié. Mais je vais te remercier à sa place. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Stella, tu es trop gentille. Ne t'en fais pas. Quand tu vas te marier et que ton mari va mourir, hein, Dieu va envoyer quelqu'un pour t'aider. Oui, Dieu va envoyer quelqu'un pour t'aider. Tu es trop gentille. Tu es trop gentille. Attends. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis, quand tu vas te marier et que ton mari va mourir comme mon mari, hein, Dieu va envoyer quelqu'un pour t'aider. Cette personne va t'aider parce que tu es trop gentille. Attends. En t'aidant, j'ai fait une mauvaise chose? Non. Tu es sûre? Non. Et c'est quel genre de prière, ça? Je prie pour toi parce que tu es trop gentille. Ne te fâche pas, hein? J'étais en train de te bénir. Non, ne dis plus ce genre de choses. Je rejette. C'est bon, ne te fâche pas, hein? C'était une erreur en disant que ton mari va mourir. C'est la joie qui m'a fait prier ainsi. Ne dis plus ça.
Je voulais juste une bonne prière pour toi. Tu es trop gentil envers moi. C'est bon. Ne te fâche pas. Si Hilary était là, hein, les choses auraient été meilleures pour moi. Agnès, eh bien, j'ai demandé à un ami de te trouver un boulot. Il m'a dit qu'il connaît une femme qui est propriétaire d'un restaurant. Je suis donc allée voir la femme pour toi. J'ai discuté avec elle. Elle a dit que tu peux commencer le plus tôt possible, demain, si possible. Oui. C'est tout ce que j'ai pu trouver pour le moment. Tu as besoin du boulot pour t'occuper de toi et de ta fille. Chai, je ne sais pas. Ok, c'est bon. À quoi servent les amis? Ok. Dieu est au contrôle. Dieu sait tout. Ça va aller. T'inquiète pas, ma sœur. Tout ira bien. Ça va aller. Merci. Je t'en prie. Tu dis que tu as arrêté le boulot que tu venais de commencer? Bien sûr. J'ai arrêté. En fait, j'ai démissionné. Ah ah. C'est quelle façon de parler ça? Je dis à la femme que je ne vais pas bien, elle me demande quand même de travailler. Je lui dis que je ne peux pas travailler, elle me demande de continuer à travailler jusqu'à ce que la maladie me jette au sol, et là je pourrais rentrer à la maison. C'est quel genre de stupide parole ça? Attends, tu lui as dit que tu avais un enfant? Hein? Est-ce qu'elle sait que tu as un enfant? Ah ah, Stella, pourquoi est-ce que tu parles de la sorte? Tu ne te souviens pas quand j'avais dit à quelqu'un que j'avais un enfant? La dernière fois, ce n'est pas ce qui m'a disqualifiée. Hey. Tu parles comme si tu ne savais pas. Je n'ai rien dit, je n'ai pas eu le courage de lui dire. Je respectais cette femme à cause de l'accord que toi et moi on avait. Malgré la maladie, j'ai travaillé. Et pourtant, cette femme ne me respectait pas du tout. Elle me parlait n'importe comment. Là, je me suis fâchée, je lui ai dit, « Madame, je ne travaille plus, je démissionne. » Ah, waouh. Et tu as besoin de boulot pour prendre soin de ta fille. Je sais. Ok. Mais ne t'en fais pas. Laisse-moi te dire un truc. Écoute, Stella. Comme tu me vois là, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Oui. Mon destin n'est pas de travailler pour les autres. Je le sais depuis. Mais pour ce qui est de l'argent pour m'occuper de mon enfant, j'en ai vraiment besoin. Tu as besoin de boulot. Ok, voilà ce qu'on va faire. En tant qu'ami, je vais te trouver un boulot, tu comprends? Oui, je vais essayer. Tu vas essayer? Oui. Là, tu parles bien. Je verrai ce que je peux faire. Tu parles bien. Cherche un bon boulot qui paye bien. Ce gâteau est sucré. Il est sucré. Fais-moi voir. Il fallait aussi acheter un jus. Un bon jus. Sois au moins reconnaissante. Yeah. Je n'ai pas acheté les arachides. Ok. Mais ne porte pas la bouteille. Tu ne sais pas que mon enfant en a besoin. Je veux toute la bouteille. Stella. Hey, c'est comment, chérie? Ejike, c'est à moi que tu parles? Agena, Ejike, je te salue. Ejike. C'est comment? Je vais bien. Et ton enfant? Tu veux dire Sochima? Sochima. Elle va bien. Je voulais te parler d'un petit truc. Je ne sais pas, ça va te plaire? Ejike, tu veux me draguer? Non, qui veut te faire des avances? Je veux te parler des affaires, là, tu vois? Ok. C'est quoi ce business? Tu vois l'atelier de ton mari où tu fais souvent ton électronique, là. Tu vois un peu, hein? Où il faisait des réparations. L'atelier, là, non? L'atelier de mon mari, c'est mon atelier. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un gars qui veut acheter ça. Il va acheter l'atelier. En fait, il va acheter ton fonds de commerce. Dès que j'ai eu l'info, puisque tu es ma personne, il a fallu que je vienne te voir personnellement pour t'en parler. Ejike, est-ce que tu as vu quelque part où j'ai écrit atelier à vendre? Non, tu sais, tu n'as pas besoin de mettre atelier à vendre. Écoute, nous savons tous dans ce village que tu ne sais rien faire. Tu ne fous même rien là-bas, en fait. Donc, l'argent là a plus de valeur. Ça va t'aider dans la vie. Nous le savons tous. Ejike, t'ai-je déjà demandé de l'argent? Tu n'as pas besoin de le faire.
Ça se voit. Vous voyez. Vous voyez. Tu vois avec quoi? Toi avec tes yeux remplis de fumée. Tes yeux remplis de fumée de chanvre avec lesquels tu ne vois rien du tout. On te voit. On te voit. Je te préviens, hein, Edike. Je te préviens. N'essaye plus jamais ça de ta vie. Tu es malade? C'est le chanvre que tu fumes qui te dérange le cerveau? C'est quoi ton problème? Je t'avertis encore. Fais attention. Ce n'est pas parce que je suis une femme. Je peux te frapper. Je peux te frapper, on ne me fera rien. Comme j'ai mal fait de t'apporter un business. Dégage d'ici, espèce d'imbécile. Je m'en vais. N'importe quoi. Regarde comment il est là-bas. Ce sont les gens comme toi qui vont aux enterrements des gens et refusent de partir tant qu'ils n'ont pas mangé. Regarde-le là-bas comme un prématuré. Et où? Espèce d'imbécile. Je ne t'en veux pas. J'en veux à toutes ces petites filles qui te suivent partout. Celles qui sont là, hey Jake, hey G. Elles te suivent et t'appellent hey G, hey GK. Et où? N'importe quoi. Espèce d'imbécile. Prochainement, reviens encore draguer une femme mariée. Et où? Espèce de prématuré. Imbécile. Voilà ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'aller ouvrir cet atelier de réparation d'appareils. Hey! Les réparations? Pour une femme? C'est ça que tu as décidé de faire? Ah! Mais c'est ce que je veux faire. C'est quel genre de question stupide, ça? Ce n'est pas le travail que mon mari faisait avant de quitter cette terre? Ah! Hey! Les réparations. Réparation des appareils. Agnès, toi et moi savons très bien que, avant que ton mari ne meure, tu ne connaissais rien de ce travail de réparation. Stella, je ne te comprends pas. À chaque fois que tu ouvres la bouche, ouah, c'est pour dire des bêtises. Tu habitais dans cette maison quand mon mari vivait encore. Tu étais là quand mon mari prenait ce truc qu'on appelle manoir pour m'apprendre tous ces trucs. Mon mari m'a appris jusqu'à ce que... Il m'a appris jusqu'à ce que j'ai assez de... comment on appelle ça? Assez d'expérience pour commencer le business. Et laisse-moi te dire, quand je vais commencer ce business, je vais apprendre plein de choses. Et quand j'aurai plus de talent, plein de choses vont entrer dans mon cerveau. Hey! Ma chérie, laisse-moi te corriger. Ce n'est pas manoir, c'est manuel. Ah, peu importe. Ce n'est pas talent, c'est talent. Va te chercher un boulot de femme. Va te chercher un boulot de femme. Agnès. Trouve-toi un boulot de femme, oh. Ne te crée pas les agneaux. Comme ce que tu fais, n'est-ce pas? Oh, touché, touché. Tu vois mes aisselles? Des poils, des poils. Ils sont, tu vois? Tu vois? Tu vois? Si tu ne rasais pas, ça allait pousser. Je m'en vais. Je te l'ai déjà dit. Si tu veux, n'écoute pas. Je n'ai pas ton temps. Si tu veux manger, viens manger. J'ai un bon repas à la cuisine. Hey! Viens manger. Regardez-la. Tu comprends? Tu vas te mettre dans les problèmes, oh. Hey, si tu as quelque chose à faire réparer, viens me voir avec. Je répare tout. Hey! Il y a quelqu'un? Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Je cherche l'homme qui est ici. L'ingénieur qui a cet atelier. Ah. Il n'est pas là. Mais tout ce que vous voulez, je peux le faire pour vous. Je veux le voir. Il allait loin? Très loin. Comment ça loin? Très très loin au pays des morts. Il est mort. Oh mon Dieu. Il me devait de l'argent. C'est pour ça que je suis là. Il vous doit de l'argent. Vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui lui devez de l'argent? Je suis sérieux, oui. Et ben là, je laisse tomber, vu qu'il est mort. Monsieur, vous n'avez rien apporté? Un appareil pour que je répare? Non. Une femme ne peut pas réparer des appareils. Non. Une femme ne peut pas réparer des appareils. Avec sa tête comme un singe qui vient de sortir de la forêt. Et où? Non, une femme ne répare pas des appareils. C'est même quoi avec ce truc?
Agui la professionnelle. Agui l'ingénieur professionnel. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Remercions le Seigneur. Je suis venu avec cet homme. Il veut réparer sa télévision et je l'ai amené chez toi. Ah, voilà. Bienvenue, monsieur. Monsieur, asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, monsieur. Hey. Bienvenue, monsieur. Ah, il m'a beaucoup parlé de vous, alors j'ai décidé de venir voir par moi-même. Il est évident que vous êtes une pro. J'espère vraiment que vous serez capable de réparer cette télévision. Sans souci, monsieur. Monsieur, quel est le problème de la télé? Ouais, tu vois, le truc c'est qu'elle s'allume. La dernière fois dont je me souviens, c'est qu'elle s'est allumée. Après quelques minutes, elle s'est éteinte. Depuis lors, plus rien. Hey, ça s'est allumé, ça s'est éteint. Ok. Ça veut dire que c'est la source d'électricité. Ouais, c'est ça. On dirait bien. C'est ça. Voulez-vous dire les surtensions? Les surtensions et la source d'électricité, c'est la même chose. C'est le truc qu'on appelle le transformateur de la télé qui a brûlé. Pas. C'est ça qui a brûlé. Alors combien est-ce que ça me coûtera? C'est 10 000 naira, monsieur. C'est 10 000 naira. 10 000 naira? Oui, oui, oui. Vous êtes sûr de réparer cette télévision? Oh, mais réponds, non? Tu ne lui as pas dit? Tu ne lui as pas dit? Je vais réparer ça, ce n'est pas un problème. Je suis la grande technicienne. La numéro 1 de cette ville. De toute cette ville, je suis la meilleure. C'est ok. D'accord, monsieur. Tu vas venir avec moi dans la voiture et prendre l'argent et le remettre. D'accord, sans souci. Ok, je compte vraiment sur vous. Hein. Oh, gars bon payeur. Oh, gars bon payeur. Je vais bien réparer la télé. Vous allez me remercier plus tard. D'accord, sans souci. Vous allez même ajouter de l'argent. Ouais, c'est ok. Oh, répare-la bien. Merci, oh, gars. D'accord. Oh, gars, que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Ndou. Je ne veux pas chercher mon argent. Je ne veux pas moins de 10 000 naira. Ok, t'en fais pas sans problème. Au retour. Mon pote Aziz. Viens balayer jusqu'ici. Ah, madame, tu manges beaucoup dans ta boutique, si, hein? C'est parce que je blague trop avec vous dans cette boutique que vous pensez que je suis votre égale. Pardon, nettoie ici. Coucou. Mais où est cette Agnès là? Mais où est-elle? Agi. Comment tu vas? Tu es là. Que se passe-t-il? Philippe. Oui. Comment tu vas? Que se passe-t-il? Ne te fâche pas. Je t'ai. Je ne suis pas fâché de toi. Je t'ai appelé pour cette télé. Regarde. Ah oui, c'est quoi le problème? Mais qui a passé même dans cette télé? Voici la télé. Je n'ai pas pu la réparer. C'est pour cela que je t'ai appelé. Ah ouais? Cette télé est. Très chère et aussi. C'est un bel homme qui l'a apporté tout à l'heure. Un bel homme? Oui. Ah, je vois. Combien as-tu demandé? Tu veux que je t'aide à la réparer? Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé pour que tu viennes m'aider. Le truc m'a dépassé. Je ne connais pas ce genre de télé. Je ne sais même pas comment ouvrir ça. Je me suis alors dit que je devais t'appeler pour que tu viennes la réparer. Tu auras ta part, bien sûr. Ok. Tu veux que je t'aide à la réparer, n'est-ce pas? Tu vas me payer 30 000. Hein? Oui. Hein? Tu vas me payer 30 000. 30 quoi? 30 000. Ah, Philippe, ne me dérange pas. Quoi 30 000 naira? Tu blagues, n'est-ce pas? Attends, j'allais te blaguer? Regarde très bien mon visage, j'allais te blaguer. Comment peux-tu me demander 30 000 naira alors que je n'ai demandé que 10 000 naira, monsieur? Hein? Combien je lui ai demandé? 10 000. Hein? Attends, tu as demandé 10 000 pour une télé dont tu ignores la panne? Hein? Eh? Pour une télé dont tu ignores la panne, tu as pris 10 000, Agnès? Eh? Hein? C'est pas possible. Ton défunt mari qui avait cet atelier. Ton mari qui avait cet atelier. Tu vois cette télé, oui, cette grosse télé, celle-là, elle est assez récente, il n'a pas pu la réparer avant sa mort. Et toi qui ne connais même pas, qui ne connais absolument rien du travail, tu as le courage d'aller prendre la même télé, disant que tu veux réparer, et ça te dépasse à réparer. Maintenant, tu as pris 10 000 naira, comment sauras-tu ce qui est ta part de la télé?
Hey. Donc tu me dis que j'aurais dû demander 30 000 naira, monsieur? Écoute, c'est ça m'avait dit directement. Je lui aurais demandé. J'aurais demandé 30 000. Hey! Hey! Est-ce que tu sais que 30 000 naira, c'est mon loyer pour 2 ans? Hein? Je lui ai dit que c'était la surge du courant qui était le problème. La source de quoi? Surge de courant. Ce n'est pas surge, c'est source. Prononce bien. C'est quelle façon de parler ça? Vas-y, source de courant. C'est quelle façon de parler ça? Tu veux m'insulter? Dès qu'on te parle, tu penses qu'on t'insulte déjà. Voilà la différence entre toi et une personne qui a été éduquée. Le truc, c'est que tu es illettré. Sois maudit, idiot, imbécile. Si tu étais éduqué, tu serais électronicien. Regarde-moi sa tête. Avec son foulard comme un ancien mafioso. Oui. J'ai attaché ce foulard comme ça parce que tu m'as demandé de venir travailler pour toi. Si tu sais le faire, alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ça te regarde? Ça te regarde? Je ne te blâme pas. C'est moi que je blâme pour t'avoir appelé ici. Tu vas encore m'appeler? Avec ses chaussures comme Aladdin le voleur. Voilà pourquoi les pondes allaient à l'école. Va à l'école comme ça tu pourras mieux t'exprimer. Toi-même va à l'école. Va à l'école. Va à l'école comme ça tu pourras mieux prononcer. Regarde sa tête, ne me gronde plus. Quand un client viendra, tu pourras mieux prononcer pour avoir beaucoup d'argent. Si tu dis le nom de la peste qui t'empêche encore. Il te dira c'est bon, je te donne beaucoup d'argent. Va si ta peste il faut. Regarde sa bouche. Si tu pourras le faire, alors pourquoi m'as-tu appelé? Je savais je t'ai appelé. Si tu pourras le faire, pourquoi m'as-tu appelé? Ne m'énerve pas, ne fais pas que je te chasse d'ici. Ne m'énerve pas. Allez, pars d'ici. C'est moi qui t'ai donné ce travail. Espèce d'idiot. C'est moi qui t'ai donné ce travail. Je savais que tu ne pouvais pas réparer. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai appelé. J'avais juste pitié de toi. Va-t'en d'ici. La personne qui a fait sors de mon atelier. Tu vas encore m'appeler. Sors de mon atelier avec ton bavardage. Tu vas encore regarde ce qui est sur ton bras. C'est ma trousse. Tu n'as qu'à aller. Aller travailler comme chargeur. Mais ce que j'ai pour ma trousse pour venir travailler. Idiot. Regarde, le travail de 30 000 naira, tu allais demander 10 000 naira. Regarde-toi. T'en fais pas bientôt, c'est la menace qu'on vient de te passer. C'est toi qu'on va me noter. La police vient de t'arrêter. C'est toi que la police va arrêter. C'est plus dans mes rêves que la police vient de t'arrêter. Tu vois, cette télé, elle te mettra dans les problèmes. C'est toi que la police va arrêter. Pas, tu verras. C'est toi qu'on va arrêter. Imbécile. C'est en prison que tu es. Idiot. La prison te gagne. Idiot. Hé oui. 30 000 naira. Ah. Dans ce cas, je vais réparer cette télé moi-même. Si je la répare, je vais prendre les 30 000 naira. Hé. Où est le tournevis? Je ne retrouve pas le tournevis. Je ne le retrouve pas. Ah ah. Ce n'est pas ici qu'on ouvre ça. Je vais ouvrir, réparer et prendre l'argent. Où est passé ce...